Bonjour Monsieur Dornet, je vous appelle parce que j'ai plus de nouvelles des exercices que je vous laisse sur Pronote. Où est-ce que t'as mis les derniers côté match là? On a gagné un truc. Pour les devoirs de votre fille, vous vous connectez pas depuis le 23 septembre. Je t'avais puni d'internet. Je vais la remettre à sa place, vous pouvez compter sur moi. Je suis le remplaçant du titulaire, c'est pour l'école en fait. Alors ça m'étonnerait parce que moi elle va plus à l'école ma gamine. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a le confinement là, on est chez nous. Voilà justement, donc vous êtes chez vous mais elle y va encore en fait. Ah non, elle y va plus. Ce que je vous explique c'est que vous faites l'école à la maison normalement. Vous étiez pas là à la rentrée? Non, bah non. Non, je bosse. J'ai plus vu les devoirs de Brandona. Brandona. Pardon. Arrête un peu de jouer avec ton truc. On est très inquiet pour Brandona. Me dites pas qu'elle est qu'à contact, hein. C'est pour ses apprentissages. Écoute un peu ce qu'il dit, là. Brandona, tu me reconnais? Mais comment vous vous appelez? Monsieur Denise. Bonjour, monsieur Denise. On s'est déjà vu, non? Non. Pour les apprentissages, dans quelle mesure, en tant que parent, vous pouvez accompagner votre enfant? C'est l'objet de mon appel aujourd'hui. Au début, je croyais que c'était les impôts. Non. Si vous le faites pas, on va devoir mettre en place des cours de soutien tous les soirs. C'est payant? Non, mais bon, tous les soirs, on va devoir faire une réunion d'une heure où je lui ferai faire les devoirs. Moi, j'ai rien demandé, hein. Vous voulez pas de cours de soutien? Non, ça nous arrange pas du tout, nous. Hein. Moi non plus, parce que je prépare le CAPES, j'en ai 32. Là, je suis censé faire une évaluation de comment vous accompagnez l'enfance. Et si ça se passe bien, vous échapperez au soutien mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. On va commencer par une question de maths. On ramasse tes trucs. Est-ce que vous pouvez écrire 3,4 en centièmes? Il n'y a pas une musique d'attente, un truc comme ça? Alors c'est 3. C'est pas France Inter. Qu'est-ce que vous lui dites là, monsieur, exactement? Je l'encourage? Oui, c'est bien. Toi, c'était pas dur. Elle fait une petite pause là. Si on pouvait le faire très court parce que j'ai d'autres élèves derrière elle. Voilà, j'étais ferme, j'ai repris tout de suite la switch. Encore 5 minutes de concentration. Allez, et c'est minutes, terminé. Là. D'habitude, elle fait ses devoirs où? Là, on est dans le salon. Mais voilà, c'est comme si elle était dans son bureau. Là. Mais vous avez un temps dédié. Quand on est parti, nous, ça peut être 3-4 heures. Faut aussi savoir s'arrêter. Eh, si je lui disais pas, elle arrêterait pas de faire ses devoirs. Elle est vraiment fan de ça. Je lui dis, bon, on va marcher. Et puis on va marcher. Et puis on revient. Est-ce que tu peux me donner le contraire de coincé? Moi, j'aurais dit huilé. Avec un préfixe. Ça demande bien. Très bien. Là, j'ai envie de lui donner un bonbon, mais non. Hein. On vous demande aussi de privilégier les fruits. Un ananas, c'est beaucoup hein, pour un enfant. Distinguer les CC, COD et COI. Tu te souviens? Pas du tout. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Demain, nous regarderons le clown jongler dans la grande salle polyvalente. Vous lui expliquez, là, monsieur? Tu regardes où le clown? Comment? Dans la salle. Vas-y. Très bien. C'est bon, c'est ça. Le clown, il faisait un peu tout dans l'histoire, quoi. Existe-t-il d'autres systèmes solaires dans l'univers? Bah moi, je pense que... Se dire qu'il n'y a que nous dans le système solaire, alors que je pense que oui. Hein. Alors après, pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus nous voir, les autres? Ça, peut-être parce que ça les intéresse pas. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu en penses, Brandona? Bah montre. Ouais, on va pas aller vers des cours de soutien, là. Hein. C'est une bonne nouvelle, ça. Pour Brandona en premier lieu. Surtout. Pour vous et pour moi aussi. Et surtout si vous en avez 32. Pour moi, c'est tout bon. J'ai noté ce que vous aviez fait. Vous les avez toujours, vos codes Pronote. Redonnez-les-moi quand même pour que je vérifie que c'est bien ça, que j'ai pas été piraté. L'identifiant, c'est les Mongols à Denise. Moi, je reconnais l'identifiant, ouais. Et le mot de passe, je vous l'envoie sur votre portable. Faut la stimuler à la maison. Je passe, je dis ça va, on pourra penser à faire tes devoirs. Hein. Comment elle organise ses journées, typiquement? Bah, le matin, je prends mon petit déj. Midi, je mange le midi. L'après-midi, elle fait ses devoirs, beaucoup, hein. Et le soir, je mange le soir. C'est bon, on va rester comme ça. On vous laisse parce qu'il y a Nouna qui commence là. Ok, ça marche. Et bah, c'est parfait. Merci, Brandona. Au revoir, monsieur Denise. Quel beau métier.